Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des armes au cinéma. Yeah! J'ai eu l'idée de cette vidéo en réalisant cette customisation de cette réplique pour une prochaine mini-série, si tout va bien. Je voulais vraiment un style un peu John Wick. Là, on est sur une réplique airsoft électronique. Du coup, au tournage, on doit faire semblant. Bien sûr, nous avons des répliques de poing. Pour ce type de réplique à gaz, nous utilisons une sparklette, ce qui donne un effet de recul quand on tire. Ah, oh, j'adore ce bruit. Et nous avons des armes de type à blanc. Alors là, on utilise simplement des balles à blanc, comme ceci. Chaque arme au cinéma a un peu un type d'utilisateur. Si par exemple, je prends cette AK-74, si je ne me trompe pas, avec un silencieux, quand vous la voyez au cinéma, ça va être plutôt un agent du gouvernement russe ou quelque chose comme ça, bien équipé. Par contre, si on retire le silencieux, on va se retrouver sur un type d'arme plutôt terroriste, cartel, milice. Par contre, avec ce type d'arme, on va se retrouver plutôt en mode agent secret, service de protection du président. J'adore faire ça. Une autre arme souvent utilisée au cinéma, c'est celle-ci, le paintball. Ce lanceur est principalement utilisé pour lancer des petites billes. Cette bille est soit remplie de poudre pour créer un effet d'impact sur un mur, ou une sorte de pétard pour une petite gerbe d'étincelle, par exemple contre une voiture. Au cinéma et comme à la télévision, ils utilisent de plus en plus des muzzle flash. Du coup, c'est tout simple, vous rajoutez un peu de fumée, une flamme, et voilà. Et on n'oublie pas de rajouter une petite douille qui s'éjecte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire, ça me fera toujours plaisir. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Lâche une grosse bave. Après, on n'a plus qu'à... Le gouvernement. Non, putain, je le loupe en plus.